Pour maintenant décomposer ce nombre décimal infini en une fraction, on peut aussi utiliser une méthode un peu plus théorique. On va poser x qui est égal à 3,6 bar. On va multiplier par 10, puisqu'il y a un chiffre après la virgule. Si on avait eu 2, on aurait pu multiplier par 100 et 3, ainsi de suite. Et on va donc obtenir 36,6 bar, tout simplement, puisque 3,6 bar est égal à 3,666 et ainsi de suite. Ok? Ensuite, on va redécomposer le 36,6 bar en une somme faisant apparaître x, c'est-à-dire 3,6 bar d'un côté. Donc, que faut-il ajouter à 3,6 pour avoir 36,6 bar? Et on voit que si on additionne 33, puisque 3 plus 3, 6, on va revenir au nombre initial. On a donc obtenu cette équation. 10x est égal à 33 plus 3,6 bar, ou encore 10x est égal à 33 plus x, puisqu'on a défini x comme 3,6 bar. Ensuite, nous passons les x du même côté, ce qui donne 9x est égal à 33, ou encore x est égal à 33 divisé par 9, ce qui fait 11 sur 3.